Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin en ce dimanche 14 août, alléluia 2022. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le privilège de rabattre la caille dans le sac avec l'offrande du matin. C'est le premier encore offrande pour journée, la première prière, premier service, premier, alléluia, sacrifice pour le jour. Mais on ne peut pas vous faire un sacrifice sanglant, mais on fait un sacrifice à la manière de David. Un sacrifice non sanglant, un sacrifice d'action de grâce et de louange à la gloire de Dieu. Et nous allons commencer avec lecture de la parole de Dieu. Nous allons commencer par étudier 1 Timothée, le livre, la première épître de Paul, à Timothée. Première épître de Paul à Timothée. On va l'étudier aujourd'hui, hein? On va faire l'étude dans 1 Timothée. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soit donné de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Parole du Seigneur. Yes. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom du Saint Verset de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un privilège immérité, alléluia, de pouvoir réveiller du sommeil de la mort pour présenter l'offrande du matin. Bonjour, bonjour, Pasteur Wesley, c'est là. Bonjour, Johanna Simon, Monique Jean-Baptiste. Bonjour, Solange Louis-Saint. Bonjour. Pasteur Aubert, c'est Dieu. Bonjour Marie-Josée Souffre.
Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Alléluia. Ma venue à haute musique pour attendre moi, un petit moment. Notre port, notre port.
Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. Bison Saint-Fleur, bonjour. Saint Ignace, bonjour. Et vous Santiago, bonjour. Island George, bonjour. Patricia Sanon. Wow, Patricia, voyez-vous bien. D'accord, ça fait combien d'années, oui? Sur Gervais Sanon, Patricia Sanon, vous avez aussi famille, parce qu'on est Caroline Cantal Chalot, Caroline Cantal Chalot, c'est Ignace, alléluia, Marie Litane Charles, bonjour, bonjour, Marie Azor, bonjour, alléluia, bel bonjour, Marie Azor, alléluia, c'est Matt Célestin, alléluia, Pasteur aussi, c'est là, nous te saluons déjà. Ensuite, Joanna Simon, alléluia, Monide Jean-Baptiste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Et nous saluons ta sainte présence, Majesté bénie, Dieu de gloire, immortel, invisible. Alléluia, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, le roi des rois, nous voici encore couvrir devant ta présence, devant ta sainte majesté, devant ta face bénie, juste encore alléluia pour te présenter l'expression de nos reconnaissances pour les multiples grâces dont nous sommes les bénéficiaires en dépit de notre indignité. Mais tu as jugé bon, alléluia, de nous accorder encore l'opportunité de voir cette nouvelle journée. Alléluia, oh, que ta présence continue encore à nous déverser sa faveur, alléluia, selon encore, Seigneur Dieu, ta miséricorde, selon ta grâce, car tu es un Dieu grand, un Dieu bon, ta bonté et ta compassion ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin pour tout un chacun, que ta bonté est grande, que ta fidélité est grande, que tu es puissant, que tu es bon, tu es le docteur par excellence, tu es l'avocat des avocats, tu es le cardiologue des cardiologues, le neurologiste des neurologistes, oh, le chirurgien des chirurgiens. Alléluia, en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous voulons encore que tu, alors, Seigneur Dieu, nous accorde encore plus de grâce pour que cette journée soit pour nous une journée de grande bénédiction en dépit de l'état de santé de tout un chacun, en dépit des circonstances qui nous entourent. Mais alléluia, mais nous voulons encore, Seigneur Dieu, que tu nous fasses grâce, que tu nous bénisses, que tu nous, encore, Seigneur Dieu, alléluia, conserve encore la vie, alléluia, et que tu multiplies les jours à venir, car, Seigneur Dieu, que gagnes-tu à nous faire descendre le séjour des morts, car les morts ne peuvent pas te louer, les morts ne peuvent pas te donner gloire, mais encore, Seigneur Dieu, nous voulons travailler pour ta gloire et pour ton royaume, Seigneur Dieu. Accorde-nous l'opportunité d'avoir la santé nécessaire et adéquate, alléluia, pour continuer encore cette œuvre que nous avons commencée. Mais encore, Seigneur Dieu, mais, alléluia, mais c'est encore c'est ta volonté, pas notre volonté. Alléluia, toi, Jésus, homme, dans ton humanité, tu avais fait cette prière dans le jardin de Gethsémani, en déplorant pas encore ta volonté, mais la volonté de celui qui t'a envoyé. Et nous aussi, tes serviteurs, tes créatures, tes esclaves, nous n'avons pas encore de volonté, nous n'avons pas de droit étant esclaves, mais encore, Seigneur Dieu, selon que le vœu du Maître, le vœu de notre Maître, nous voulons encore que tu fasses, mais encore juste, pas dans ta compassion, car notre patron, notre maître, c'est un maître de compassion, c'est un maître de bonté, c'est un maître de miséricorde qui entend, alléluia, les cris de ses esclaves, les cris de ses sujets, alléluia, écoute nos cris, et alléluia, sois notre berger, aide-nous, nous t'en prions, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Jérubin Jérubin Omus, comment ça va? Alléluia. Donc, nous avons commencé aujourd'hui à étudier l'épître de Paul à Timothée. L'épître de Paul à Timothée, dans le grand guide de la Bible. Alléluia. Tournez avec moi à la page
550, page 550, le grand guide de la Bible. Alléluia. L'épître de Paul à Timothée, c'est l'une des trois lettres adressées à des pasteurs d'église locale. Nous avons encore le thème pasteur, c'est le même thème pour ancien, c'est le même thème aussi pour ancien, c'est le même thème pour évêque, qu'on appelle bishop en anglais. C'est le même thème, presbyteros, alléluia, alléluia. So, c'est le même thème, presbyteros, et puis, alléluia, apocalyptique. Yes. Nous avons médité ça déjà, alléluia, concernant les différents thèmes utilisés pour parler de pasteur, et puis d'ancien, etc., ou d'évêque. Alléluia. Donc c'est le même type. Donc en Timothée, c'était un évêque, c'était un pasteur. Alléluia. C'était un ancien. Alléluia. C'est le même thème. Il dit, c'est toi, lettre qui est adressée à des hommes qui étaient des pasteurs d'église, des évêques, des responsables d'église locaux, l'ancien lui-même, qui voit le barou évêque là, c'est eux qui dirigeaient l'église locale. C'est un pasteur, c'est un berger. Nous dit l'autre jour, c'est de Timothée, c'est la deuxième lettre à Timothée, et puis Tite. Nous dit lettre ça, c'est le premier encore, livre du Nouveau Testament qui décrit en détail les règles de vie dans l'église locale. Les règles de vie dans l'église locale. Donc on a que l'église locale, c'est le côté encore, différents églises, et puis il y a l'église universelle qui pourrait prendre les membres, les sauvés de chaque église locale pour capable former ce qu'on appelle l'église universelle qui pourrait aller les fiancer Christ, qui pourrait le marier avec Christ après l'enlèvement. Donc dans l'église locale là, il dirige par un ancien pour capable de les pasteur ou encore évêque, pour ça les bishop. Donc on laisse ça lui adresser par Paul à Timothée qui était pasteur de l'église locale d'Éphèse. Alléluia. Paul, il écrit même laisse ça aux environs 62 ou 63 de notre ère. L'an 62 ou encore l'an 63 de notre ère. C'est laisse ça lui écrit laisse ça. Encore vous voyez, by pasteur Timothée, by bishop Timothée, by évêque Timothée. Alléluia, qui était pasteur l'église locale d'Éphèse. Paul écrit cette là, alléluia, encore entre son premier et deuxième emprisonnement. Connaît Paul était arrêté à Jérusalem à la fin de son troisième voyage missionnaire. L'accusation portée contre lui, il dit qu'il était dans le temple avec un incirconcis parce que dans la Jérusalem, il y avait trop fine. De la vêtue. Il était des païens convertis, des pagano-chrétiens. Et sans aucune preuve, et Paul t'a dit, t'es en train de prier. T'es quelqu'un qui te fait vœu de Naziréa, il n'y a pas de quelqu'un pour accomplir vœu. Il était à l'accomplir vœu pour eux. Il était arrêté. Alors il manquait mourir. C'est on a encore soldat roumain qui te prend lui, mais t'es la forteresse Antonia qui te sauve lui. Ensuite, encore au parti avec l'enduit. Donc on voit presque 400 combien de soldats de la nuit qui ont mené à Césarée. Alléluia. Il est passé 2 ans dans la prison Césarée jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de justice. Il m'a dit pour le empereur à Rome. Il est allé à Rome. Il a fait ça, il a levé le doigt. Il a mis dans la prison. Il était au caillotier loué. Il a mis dans la prison. Il a surveillé par 4 escouades de soldats. 4 chiffres. Chaque monsieur fait 6 heures de temps. Le soldat a changé. Encore 4 chiffres soldats. Il est encore lié pendant toujours de ça. Et c'est là ça, pendant la prison ça, était écrit encore l'autre épître ça, que devient épître aux Philippiens, épître aux Colossiens, épître aux Éphésiens et épître à Philémon. 4 épîtres ça, il y a encore toujours, il y aurait les épîtres devant encore la prison, mais c'est dans la première prison, la première lettre dans la prison. Dans les ça, il y a exprimé confiance. Dans une prochaine libération.
Peter est encore là. Il pense qu'il doit encore exprimer confiance lui, encore que lui doit libérer. Nous voyons ça dans Philippiens 1er, 23, 24, 25. Et dans Philémon aussi, le verset 22. Alléluia. Et dans Romains chapitre 15, Paul révélait le projet pour être capable d'aller en Espagne. Parce que Paul est déjà arrivé en Espagne. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il a fait dire que j'ai achevé sa course. Alléluia, pour que ça, dans 2 Timothée, il pourrait dire j'ai achevé la course, c'est parce qu'il a été déjà jugé et condamné à être décapité, car étant un citoyen romain, il n'a pas été capable encore de crucifier lui, mais encore le citoyen romain, c'est-à-dire quand c'est décapité, capable de décapiter lui, le jour où la décapité a déjà arrivé. Donc c'est là ça, encore là, c'est au prix deuxième. Or, à la fin de son premier emprisonnement, selon Actes des Apôtres chapitre 28, il n'avait pas encore visité l'Espagne. À la fin de son premier emprisonnement, il était fini emprisonné la première fois, il n'avait pas encore visité l'Espagne. Nous ne connaissons pas si Paul était arrivé. Il n'avait pas encore visité l'Espagne. Il a donc certainement dû être libéré pour entreprendre ce voyage. Peut-être, nous ne connaissons pas. Paul écrivit un Timothée, il cite dans ce intervalle, dans intervalle en 62, 63 après Jésus-Christ. Il écrit là ça. Et c'est comme ça. Écrit date ça pour nous, écrit date là. Ah, nous allons mémoire pour écrit date. Le 19 juillet, alléluia, de l'an 64. Et on joue après. On fait 18 juillet. Le juillet, ça, c'est pas des événements passés dans le mois de juillet, ça. Le 18 juillet, alléluia, de l'année 586, de détruire encore Jérusalem. Le 18 juillet de l'an 70, de détruire le deuxième temple, la première fois, de détruire Jérusalem et le temple de Salomon. Le 18 juillet de l'an 70, de détruire le temple d'Hérode, le dernier temple. Alléluia. Le 19 juillet 64, c'était la date de l'incendie de Rome. Rome a été incendié, a été brûlé, peut-être par ordre de Néron. Il est que fait ça. Il y a encore eu suspect, c'est lui qui met du feu dans la ville de Rome, car Rome était très ancienne. Rome était là depuis, fondée depuis 753 avant Jésus-Christ. 753 avant Jésus-Christ, alléluia, pour ajouter 64 sous lui, c'est presque 800 combien d'années des fondations. Rome était ancienne. Alors, la ville était ancienne et Rome. Et encore, Néron, un roi bâtisseur, voulait encore une nouvelle Rome. Il met du feu, mais pendant que Bussier s'avait brûlé, Bussier même encore les sous-plages avec ses concubines, l'a fait l'amour, l'a chanté des chants, des chantés suesses. Rome brûlait le premier jour, brûlait le deuxième jour encore là. Où est l'empereur? L'empereur n'est pas là. Il dit, c'est lui qui fait ça. Et c'est pour ça qu'il était accusé, chrétien. Comme l'auteur de cet incendie. Et c'est comme ça que nous rejoignons encore. Pendant que le feu, le ravage à l'homme, les chrétiens étaient accusés d'en être les auteurs. Et ils furent persécutés, et le christianisme fut interdit, et l'évangélisation encore punie de mort. Et Paul fut probablement arrêté après le mois de juillet 64 et condamné à mort. Même arrêté et condamné à mort. Après le mois de juillet, après 19 juillet de l'an 64, Paul fut arrêté. Et cette fois-ci, il fut condamné à mort. Et c'est ainsi qu'il a déclaré dans 2 Timothée, chapitre 4, 6, 7, « Car je sais déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. » Donc, dans durant son deuxième emprisonnement, quand il fut emprisonné pour une deuxième fois après le mois de juillet de l'an 64, Paul écrivit alors 2 Timothée. Maintenant, nous étudions 1 Timothée. Mais c'est après, en juillet 64, que Paul a écrit 2 Timothée. Le Nouveau Testament parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Timothée. Oh oui, le Nouveau Testament parle beaucoup de Timothée. Son nom apparaît 24 fois.
son nom apparaît 24 fois. Il était de Lystre et accepta l'évangile lors du premier voyage missionnaire de Paul, effectué encore dans Actes des Apôtres chapitre 13, mais spécialement dans Actes des Apôtres chapitre 14, quand Paul encore arriva à Lystre, là où il fut lapidé, il a connu la mort, mais Dieu l'a ressuscité. C'est ce qu'il a déclaré dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je connais un homme, il y a 14 ans, qui a vu en esprit. Si ce n'est dans son corps, je ne sais, c'est hors de son corps, je ne sais, mais Dieu le sait que cet homme fut enlevé au ciel. C'était Paul à Lystre, mais encore, il a trouvé la fond de cette église. Et là, il a trouvé encore un jeune homme, alléluia, qui a pris et accepté l'évangile, alléluia, oh, qui est devenu un pilier pour l'évangile de grâce. Il fut encore devenu, au cours de son deuxième voyage missionnaire, Paul l'a pris, encore pour être son compagnon de ministère, et jusqu'à sa mort. Il resta fidèle et loyal à l'apôtre Paul. On ne trouve pas des gens loyaux aujourd'hui. Ils sont plus encore, alléluia. Mais Timothée était un serviteur loyal, loyal à son père en Christ. Alléluia. Et c'est comme ça nous jeunes encore. Eunice, c'était sa mère. Maman Timothée était relée Eunice. Alléluia. Et grand lit était relée Loïs. Eunice, maman lit. Loïs Grandly, et puis papa lui, c'était un papa non, papa, mais papa c'était un grec, c'est-à-dire un non-juif. Un non-juif, on ne dit pas juif. Donc, il a été élevé à la lumière de la parole de Dieu. Je veux qu'il élevé la parole là, grâce à Grandly et maman lui, élevé dans la parole de Dieu. Paul l'invita à le rejoindre lors de son deuxième voyage missionnaire. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 3. Outre Timothée, l'équipe, au cours du deuxième voyage missionnaire, après que Paul a reçu la vision macédonienne, donc il a cru que le Seigneur l'avait envoyé en Macédoine, encore, c'est-à-dire en Europe. Donc l'équipe encore a grandi. Il comprenait Paul, Silas, ou encore Sylvain ou Silas, Sylvanus, d'accord, et Luc, qu'il a rencontré à Troas et Timothée. Paul et Silas, et puis Timothée et Luc, 4, encore, ont poursuivi encore, le deuxième voyage missionnaire. Il est possible que Timothée ait été choisi pour suppléer la défection de Jean, surnommé Marc, qui les avait quittés au cours du premier voyage missionnaire. Timothée, hein, parce qu'il était juif, Paul l'avait fait circoncis. Ok, alléluia. Et Timothée a été consacré au ministère par Paul et le collège des anciens. Il accompagnait l'apôtre Paul durant son troisième voyage missionnaire. Il devint l'ami de Paul durant le premier emprisonnement de l'apôtre. Philippiens, chapitre 1er, Colossiens, et Philémon aussi. Tout comme Paul, Timothée connut la prison. C'est lui qui passait dans la prison avec Paul. Même j'en ai parlé de Epaphras, qui était fondé l'église Colosse là. Les fausses doctrines du gnosticisme entre l'autre bord. Hein. Paul l'a voilé, il a joint Paul à Rome, qui était en prison à Rome, pour lui demander concours contre cette fausse doctrine, contre ce cancer. Alléluia, qui est entré dans l'église là. Alléluia, il était encore la guerre, l'ascétisme et l'hédonisme. Alléluia, et encore Ibaou, encore stoïcienne. Les stoïciens, et puis les épicuriens, stoïcisme, épicurisme, alléluia, c'est ça qui est venu avec fausse doctrine, ça. Et parfois, ça allait à Rome, pour lui demander concours à Paul, et encore, il fut aussi emprisonné, alléluia. Donc, c'est comme ça, il pourra le déléguer, Tichic, qui pourra le porter l'élection. Donc, Timothée, comme Paul, a connu aussi la prison. Il exerça un ministère dans au moins 7 différentes églises locales du Nouveau Testament. Timothée était exercé ministère dans l'église Thessalonique. Timothée exerce ministère dans l'église Corinthe. Il exerce ministère dans Philippe, dans l'église de Philippiens à Philippe.
l'exercice ministère aberré. Et en dernier lieu, l'exercice ministère lié à encore Éphèse. Et c'est là qu'il va rejoindre la mort. Et nous rejoindre encore après la mort de Timothée. C'est l'église d'Éphèse qui va être sous la responsabilité de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lui qui n'a pas été martyrisé, lui que Dieu a protégé de la mort, du martyr, alléluia, qui est une mort naturelle. Donc Timothée était probablement réservé. Il ne jouissait pas d'une santé robuste. Selon 1 Timothée chapitre 4, verset 12, alléluia, tu es capable de lire verset à pour vous. Vous êtes capable de voir que Timothée n'a pas été joué d'une bonne santé. Il n'a pas joué d'une santé robuste. En nous regardant là, il dit, Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle et m'a mis encore en bas. Et Timothée, quand il me dit, 1 Timothée, bon, allez, on lit le Rome, verset 1 Timothée chapitre 4. Yes. Il dit, allez bien encore. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour encore. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation. Yes. À l'exhortation. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec la position des mains de l'Assemblée des Saints. Occupe-toi de ces choses, donne tout entier afin que tu sois encore. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Jusque dans verset 16, là. Alléluia. Et ça, c'est encore la parole de Timothée, etc. Et Timothée, chapitre 4, 12, 14, 15, 16, je ne dis pas, jouer d'une bonne santé, robuste, etc. Il était néanmoins un homme de Dieu. Malgré cela, il était un homme de Dieu. Alléluia. Le passage clé de 2 Timothée 3, 14, toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est objet de ta foi. Tu sais de qui tu as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés qui peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Nous voyons faire ça dans 1 Timothée avec 2 Timothée. Encore pour 2 côtés, ça il dit, c'est le verset clé. C'est le verset clé. 2 Timothée 3, 14, 15, là. Passage de, etc. Et puis, tu es capable de diviser en 6 points. Premier point que nous sommes capables de développer dans l'épître 1 Timothée, c'est le Sauveur et la famille de Dieu. Le Sauveur et la famille de Dieu. Deuxièmement, l'apôtre et la famille de Dieu. Troisième point, le sous-berger Timothée et la famille de Dieu. Quatrième point, les responsables de l'Église et la famille de Dieu. Cinquième point, les faux docteurs et la famille de Dieu. Et sixième point, les différents membres de la famille de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'épître de Paul, introduction à l'épître de Paul à Timothée. Le Sauveur et la famille de Dieu, premier point que nous voulons développer, le Sauveur et la famille de Dieu. Dans 1 Timothée, Paul aborde 10 grands thèmes concernant la personne du Sauveur, Jésus-Christ. 10 grands thèmes développés concernant la personne de Jésus. Premièrement, sa divinité. Deuxièmement, son objectif. Troisièmement, son incarnation. Quatrièmement, son ministère efficace. Cinquièmement, ses souffrances et sa mort. Sixièmement, sa résurrection. Septièmement, son ascension. Huitièmement, sa médiation. D'accord? Alléluia. Neuvièmement, son retour. Et dixièmement, son règne de 1000 ans. 10 points. Côté Paul va le développer concernant le Sauveur et la famille de Dieu. Le Sauveur et la famille de Dieu. Est-ce que vous devez être plus que ça? Non, on a oublié. Vous voulez faire étude là pour nous capables de songer. Vous voulez faire étude là pour nous capables de songer. Et c'est comme ça que nous saluons Thomas. Nous saluons Frère Thomas. Nous saluons Mésida Lazare. Nous saluons Jean-Rony Adrien. Nous saluons Ruth Marie Hilaire. Devenu dans l'offrande du matin.
Nous saluons Naomi Goudet, ma Naomi, Naomi, Nam chérie. Nous saluons Julie Hermilus, nous avons Marie Hermilus, nous avons maman du Canada, les mamies Boston, avec petite fille, nous saluons Vévé Etienne, Inès Smith, Nadège Février, Manouchka Berus, Aïmanou, Manou, comment ça va? Alléluia, Josie Michel, comme il est Josie Michel, Famoura. Nous saluons Mayo Destin, Majorie Destin. Nous saluons Jérubin, Romus. Et nous saluons Santiago, Island, Georges, Patricia Sanon, Johanna Simon, Monide, Jean-Baptiste. Nous saluons encore, et alléluia, Marie-Carmel, Edouard Ozin, Kétli Exumé, alléluia, Manouchka Montella, Gerline Paul, nous saluons Betty, Joseph et Betty, Joseph, c'est Thomas, Frère Thomas, Bison Saint-Fleur, c'est Ignace, Carlin Cantachalo, Gervais Sanon, Marie-Litane Charles, Marie-Litane Charles, Marie Azor, ben bonjour, depuis la Floride, Carlin Cantachalo, alléluia, c'est Matt Célestin, Wisley Sela, Solange Louis Saint, Pasteur Robert Cédieu, alléluia, et nous saluons Marie-Josée Souffrant, qui est en premier matin. Alléluia, et nous disons merci de ce que vous êtes branché, vous avez suivi étude ça. Dans 1 Timothée, son Jérémie va retourner encore à 3h de l'après-midi. Nous allons dévader encore le premier point. Dans un point de développé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Nous avons le premier point qui dit le Sauveur et la famille de Dieu. Côté Paul parler du Sauveur et la famille de Dieu en 10 grands termes concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ces 10 grands termes seront développés encore au cours de l'offrande du soir, au moment de l'offrande du soir. Nous saluons chaque monde qui branche. Que Dieu vous bénisse. Bien belle sur là. Alléluia dans l'incognito comme j'ai fait hier soir. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et I love you. Je vous aime tous. I love you all. Je vous aime tous. Te quiero mucho. Muchas gracias. Que Dieu vous bénisse. Parmi les jeudi à ce dimanche. Dans Agualoca, il a commencé le dimanche à 8h du matin. Dans Mendoza, il a commencé à 9h. Dans Brooklyn, il a commencé à 10h, mais à 9h, mon service, il a commencé à faire avec Justine. Que mon Dieu va bénir chaque monde qui est là, au nom de Jésus. Bye bye, bonne journée. Thank you.